Salut tout le monde! Bienvenue à cette toute nouvelle capsule officielle de 2018 du blog de Julie. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne ou si vous êtes tombé par hasard sur cette capsule, mon nom c'est Julie Lafrance et je suis blogueuse mode et beauté depuis 2010. Et depuis l'année dernière, j'ai décidé de me lancer également dans la grande aventure YouTube afin d'avoir plus de possibilités de partager mes coups de cœur mode et beauté. Donc, pour cette vidéo, on va rester encore dans l'ambiance du temps des fêtes parce que je vais vous montrer ce que j'ai reçu pour Noël. J'ai pensé que ça pourrait être intéressant pour vous parce que ça reste vraiment dans le thème de la mode et la beauté parce que pour faciliter la tâche à mes proches, je demande toujours des cadeaux qu'on peut facilement se procurer en pharmacie ou en grand magasin et surtout de marques que j'aime. Donc, vous allez voir qu'il y a une constance parce que ce sont des marques dont j'ai parlé souvent, soit par vidéo ou sur mon blog. Donc, on va commencer tout de suite par la marque française Nuxe. Nuxe, ça fait des années que je reçois des kits cadeaux de la marque. Parfois, les kits cadeaux sont intéressants, parfois moins, mais cette année, je dois dire que j'ai eu un méga coup de cœur et que j'espérais vraiment recevoir cet ensemble cadeau car il est, à mon avis, absolument parfait. Et j'ai découvert en plus un nouveau produit que je ne connaissais pas. Donc, c'est en fait de la gamme prodigieuse, donc la fameuse gamme qui propose l'huile prodigieuse. Donc, à l'intérieur, il y a un gros format de cette fameuse huile. Et également, l'huile de douche que j'adore. Et également, le lait corps sublimateur que je ne connaissais pas. Je ne sais pas s'il est disponible en format individuel, mais je suppose que s'il ne l'est pas déjà, il le sera sous peu. Parce que souvent, ces kits-là permettent de découvrir des nouveautés qui seront bientôt sur le marché au Canada. Et également la crème prodigieuse pour le visage, dont j'adore la texture, l'odeur, qui est hydratante et défatigante. Donc, c'était vraiment un très, très beau kit cadeau que j'étais très contente de recevoir. Et pour moi, c'est puisque l'huile prodigieuse, j'en utilise beaucoup, ben j'ai toujours besoin d'une réserve, donc ça me fait toujours plaisir d'en recevoir. L'autre marque que j'aime beaucoup et dont je demande toujours des produits à tous les temps des fêtes et qui propose également toujours de très très beaux ensembles cadeaux, c'est Caudalie. Caudalie, si vous me suivez, vous savez que c'est une maison que j'adore. J'adore leurs produits, j'adore leurs soins. Je vais régulièrement me faire faire un facial à la boutique Spa du 10-30. Et cette année, côté kit cadeau, c'est comme pour Nuxe, c'était vraiment intéressant parce que c'était des produits dans les formats réguliers. Donc, j'ai reçu en cadeau le gommage Crushed Cabernet parce que les gommages pour le corps, c'est vraiment un must pour moi. Je me fais toujours une exfoliation au moins 2 fois semaine. Donc, le gommage de Caudalie, c'est un de mes préférés. Et ça venait avec le baume gourmand corps qui est vraiment un incontournable en ces froids polaires pour hydrater la peau. Et moi, lors de ma visite chez Caudalie, au mois de décembre, je me suis offert de moi à moi un autre kit cadeau Caudalie et c'est on reste dans l'hydratation et l'exfoliation. Donc je me suis offert le gommage divin, toujours en format régulier. J'aime tellement l'odeur de ce gommage, également la texture. Et l'huile divine, qui est une huile sèche, comme son nom l'indique, absolument divine. Donc, un incontournable également à ajouter à sa trousse beauté. Et ce sont des produits qui, je sais, sont offerts en format, dans ces formats-là, donc ces formats réguliers, et qu'on peut se procurer, évidemment, tout au long de l'année. Une autre marque qui propose toujours de beaux kits pour découvrir ou encore faire des réserves pour l'année, c'est la compagnie de maquillage MAC. Donc, cette année, vraiment, les trios pour les lèvres, c'était vraiment, pour moi, un incontournable que je voulais recevoir en cadeau. Donc, ça venait dans une belle pochette comme ça. Et c'était, moi j'ai demandé la couleur rouge parce que vous savez que j'aime les rouges à lèvres rouges et tous les produits pour les lèvres rouges. Et ça venait dans une teinte de rouge absolument parfaite avec le crayon et également le liquide pour les lèvres. Donc le liquide pour les lèvres, je l'applique soit par-dessus le maquillage pour apporter de la brillance ou encore ça peut facilement se porter seul. Il y a deux produits dont j'entends parler depuis des années
qui sont souvent dans les top 10 de palmarès beauté des différentes revues, dont j'avais entendu beaucoup, beaucoup de bien, mais que je n'avais jamais testé et je les ai demandés cette année en cadeau. Le premier, c'est de la marque Elancil et c'est le fameux gant de massage avec le produit, le gel Active Massage Minceur. Donc, en fait, c'est que ce gant de massage-là, qui est en fait plus un accessoire, c'est très facile à utiliser. C'est sous la douche et on met un peu de produit quand on a la peau mouillée, que c'est très facile à utiliser, surtout c'est très propre, il n'y a pas de plein de produits partout sous la douche. Donc on met un peu de produit comme ça ici dans le trou et après on masse les zones sujettes à la cellulite. Premièrement, j'aime l'odeur du produit, j'aime la facilité d'utilisation, comme je dis, ça coule pas partout et j'aime surtout le fait que, surtout si on prend sa douche le matin, on a l'impression que la circulation est vraiment activée. Donc, ça fait la peau évidemment très très douce. Et je trouve que ça donne un petit boost d'énergie et on sent vraiment que ça fait travailler toute la circulation des jambes. En fait, on sent l'effet drainant du produit. Je vous invite vraiment à le tester. L'autre produit dont j'entends parler depuis longtemps, c'est la fameuse 8-Hour Cream d'Elizabeth Arden. Donc, quand j'ai vu qu'Elizabeth Arden proposait un kit comme ça, il me semble que c'était chez Mural que j'avais vu, je l'ai mis tout de suite sur ma liste cadeau. Et je suis chanceuse parce que le Père Noël me l'a apporté. Donc, le fameux baume apaisant réparateur d'Elizabeth Arden, c'est un produit incontournable à toujours avoir dans sa trousse. Parce que son effet réparateur hydratant dure 8 heures, comme son nom l'indique. Et on peut l'utiliser en fait, par exemple, si notre peau a été agressée par le vent, le soleil, si notre peau est très très sèche, on l'applique aussi souvent que nécessaire. On peut également l'appliquer sur les cuticules, sur les mains. Ça peut également servir, et ça c'est très intéressant, pour lisser les sourcils, parce que quand on a les sourcils rebelles, souvent même le gel, ce n'est pas assez suffisant. Et on peut également l'appliquer sur les paupières et sur les pommettes ici pour apporter de la brillance. Bref, c'est vraiment un très très beau produit coup de cœur que j'ai testé déjà un peu et je suis vraiment très très contente de l'avoir reçu. Il va devenir vraiment un chouchou de ma trousse. Et toujours de la gamme 8-Hour, il y avait dans le kit le soin hydratant intense pour les mains ainsi que le baume pour les lèvres avec protection solaire. Un autre produit qui est souvent dans les palmarès beauté, c'est le baume pour les lèvres, donc la crème de rose, c'est lissant et repulpant de Christian Dior. Donc ce que j'aime, c'est l'odeur à la rose et également le fait qu'il n'est pas gras. Donc on peut facilement appliquer son rouge à lèvres après. Et j'aime également le look vintage du petit pot. Et j'aime l'utiliser en fait après avoir appliqué l'exfoliant au sucre de Christian Dior dont je vous ai parlé dans ma vidéo précédente. Il fait partie de mes coups de cœur de décembre 2017. Mes deux derniers cadeaux, ce sont des cadeaux de moi à moi que j'ai achetés chez Nordstrom, le grand magasin à Ottawa. Donc, premièrement, je veux souligner le service à la clientèle incroyable chez Nordstrom. Je vous explique pourquoi. C'est que moi, je voulais essayer un produit Tom Ford, un produit de maquillage Tom Ford depuis assez longtemps. C'est un produit que j'avais vu sur Instagram et également sur YouTube, dont on dit beaucoup de bien. C'est en fait un sculpteur et illuminateur de lèvres. C'est un duo, mais je ne le trouvais pas en nulle part. Et chez Nordstrom, on ne l'avait pas en magasin. Par contre, on m'a dit qu'on pouvait vérifier. Et s'il était à Toronto, on pouvait me l'envoyer directement à la maison, même si j'habite au Québec, et sans frais. Donc, le produit était disponible à Toronto et on me l'a envoyé. Je l'ai reçu 2 jours plus tard ici à Montréal. Et j'ai pris dans la teinte, en fait, possession. Je ne l'ai pas encore tout à fait testé parce que je voulais comme vraiment vous le montrer, je le trouve tellement beau. Premièrement, je trouve que le packaging de Tom Ford est très, très chic, très luxueux. Et j'ai entendu beaucoup, beaucoup de bien de ce produit. J'étais très contente que la vendeuse chez Nordstrom me propose ce service d'envoyer le produit directement à la maison. Et je me penche pour ramasser mon dernier produit. Toujours chez Nordstrom, j'ai trouvé dans le département des chaussures un produit que je cherchais depuis longtemps, mais pour lequel je n'étais pas activement à la recherche.
Donc, en fait, c'était des pantoufles qu'on peut emmener en voyage. C'est de la marque UGG. Ce que je remarque, c'est que souvent, quand on va dans un endroit plus en région, comme Nordstrom, c'est que tous les produits d'une même marque sont souvent rassemblés. Alors qu'à Montréal, puisque les différents magasins sont peut-être au courant que plusieurs commerçants ont la même marque, il y a moins de produits produits de la même marque offerts au même endroit. Donc, il faut plus aller à différentes places. Et ce que j'ai aimé chez Nordstrom, c'est que j'ai trouvé ces pantoufles pour le voyage qui sont pliables, qui sont absolument très, très chics, hyper confortables, super chaudes. Il faut vraiment que je me force pour ne pas les porter chez moi dans la maison parce que je veux vraiment les garder pour quand je voyage. Et en plus, ça vient dans une belle petite pochette comme ça pour les transporter. Donc, je trouve que c'est vraiment un très, très beau produit parce que les produits pliants comme ça, je trouve que souvent, c'est pas confortable. Et vraiment, UGG a fait une paire de pantoufles qu'on a le goût de porter tout le temps, finalement. Tous les détails des produits dont je vous ai parlé se retrouveront au bas de la vidéo. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à l'aimer. Vous pouvez me suivre sur mes différents réseaux sociaux sous le blog de Julie. Je suis sur Instagram où je partage à tous les jours ou presque mes looks du jour, Facebook, Twitter. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une autre capsule YouTube du blog de Julie. Bye!